bien coupé un petit tir de fond. Bien, nous nous trouvons donc avec les championnes de France féminines, Nathalie Clément et Florence Petit, les joueuses de Salbris qui ont été consacrées en juin dernier. Nathalie, c'était plutôt une surprise ou bien une consécration ce titre ? Bon, on va dire les deux. Une surprise parce que bon, un titre de champion de France, c'est toujours ce qu'on rêve quand on arrive au championnat de France. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va arriver au bout. Et puis une consécration parce que bon bah c'était, on a atteint le but, c'est génial. D'autant qu'on s'est revu deux mois plus tard à Millau au Mondial et là ça a été une deuxième grande victoire dans une même saison, c'est absolument superbe. Oui bah je crois qu'en plus ce qui est bien c'est que bon le maillot il y en a pas beaucoup qui nous le voyaient sur le dos et on s'est dit qu'il fallait essayer de prouver que bon, on l'avait peut-être un peu mérité quand même. Et donc Millau, je pense que c'est une belle victoire effectivement après le championnat de France. Alors Florence, la question qu'on a envie de poser également, évidemment, c'est qu'est-ce que ça change en fait dans une vie de joueuse que de porter un maillot tricolore ? Ça fait plaisir. Changer, bon, nous on ne change pas grand-chose, on continue de jouer comme on jouait normalement, on se déplace un peu plus, on est invité, on fait plaisir aux gens qui nous invitent. Et puis ça nous a aussi quand même permis de prendre contact avec les grands noms de la pétanque, surtout au masculin, parce que bon, des féminins, il n'y en a pas énormément, donc on côtoie moins les filles. Mais au niveau des masculins, ça nous a permis d'avoir de super bons rapports avec les grands noms de la pétanque. Et ça, c'est génial aussi. D'abord parce qu'on apprend beaucoup, et puis en même temps parce que bah, finalement, ce sont des gens comme tout le monde. Et quand on arrive à les côtoyer, bah, c'est très agréable. Qui s'est qualifié, c'est celle de Christian Patineau, Daniel Voisin et Philippe Duchaud. Daniel va faire un nécessaire, mais Duchaud est au sol en 2 et demandé au tir à 57. Dans la discussion
Demande 222 au terrassé. Le résultat de l'équipe 106 contre 233, si la partie est terminée, s'il vous plaît. On demande Stéphane Deschamps. On ira 126, l'équipe 126. On en avance le numéro 48 à la fin de marche. Le voilà la deuxième fois, signé Eric Michaud. Victoire par Simon sur la sport 34 pour Roger Gomez, Joaquin Gomez, donc première équipe qualifiée pour la finale de chevet de 34. Au terrain 100.